Bonjour et bienvenue sur Constante Évolution. Je m'appelle Pierre et je suis là pour t'aider à te développer personnellement et financièrement dans ce monde de fou. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dans cette vidéo, on va parler de tes valeurs. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner le top 5 de mes valeurs favorites. Aujourd'hui, je te conseille de prendre un papier et un crayon et de noter toutes les valeurs qui sont en priorité dans ta vie et de faire un classement pour pouvoir y voir plus clair dans tes priorités et de pouvoir mettre le focus sur ce qui est le plus important pour toi. La plupart des gens ne font pas ça. Là, j'espère que tu es parti chercher un papier et un crayon et que tu es en train de commencer à noter les valeurs qui sont les plus importantes dans ta vie. Parce que c'est ce qui va déterminer ton futur. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas faire un top 5 de tes valeurs classées par ordre de priorité. Et c'est ça qui va définir ce que tu vas avoir dans ta vie. Le fait de faire ce classement des valeurs, ça a créé des déclics en moi. Je suis en accord avec moi-même, mais surtout, je respecte mes valeurs, je respecte qui je suis. Et depuis que j'ai mis en place ces valeurs-là, eh bien, il n'y a plus personne qui me manque de respect. Alors j'ai une question pour toi. Quelles sont tes valeurs principales? On peut donner quelques exemples comme la santé. Sur quoi tu veux donner ta priorité dans ta vie pour pouvoir être toi-même? Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs de base comme le respect, la famille, l'amour? Moi, par exemple, je sais que ma valeur principale numéro 1, c'est la santé. Parce que pour moi, si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien d'avoir ni de l'amour, ni de l'argent, ni quoi que ce soit d'autre. On ne peut plus profiter de rien. Et toi, quelle est ta valeur numéro 1? Aujourd'hui, je t'invite à faire un classement de tes valeurs pour pouvoir être clair dans ta vie, savoir où mettre ta priorité et qui tu es. Parce que ça, les valeurs, ça définit qui tu es et ce que tu vas faire dans ta vie ou pas. Je t'invite à mettre le top 5 de tes valeurs dans les commentaires pour pouvoir les partager avec nous. Et comme ça, quand les gens vont voir le top 5 de tes valeurs dans les commentaires, et ils vont peut-être avoir un déclic parce que quand on leur parle de ça, ils ne savent pas trop quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs priorités. Les gens sont perdus et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas dans leur vie. Par exemple, moi, parmi les valeurs qui sont dans mon top 5, il y a l'amour, il y a la famille, mais il y a aussi la liberté. Voilà mon top 5 de mes valeurs favorites. Numéro 1, la santé. Si tu n'as pas la santé, pour moi, tu ne peux rien faire. Donc c'est le numéro 1 de tout. L'amour. Pour moi, si on n'a pas l'amour, c'est compliqué de vivre une vie sans amour. Donc c'est le numéro 2 pour moi. Pour le numéro 3, c'est la liberté. Si on n'est pas libre dans sa vie, c'est compliqué d'être heureux aussi. Donc numéro 3, la liberté, c'est très important. Numéro 4, le respect. Parce que s'il n'y a pas de respect dans la vie, c'est n'importe quoi. Tu vas rencontrer des gens qui vont te manquer de respect. Toi-même, tu vas te manquer de respect à toi-même. Par exemple, si tu fumes, tu te manques de respect. Si tu manges de la merde tous les jours, tu te manques de respect. Si tu ne fais pas de sport, tu te manques de respect. Si tu n'as pas fait ton top 5 de tes priorités, tu te manques de respect parce que ça t'empêche d'avancer. Parce que comme tu ne fais rien, tu es là, tu regardes ma vidéo, mais en fait, tu ne vas pas appliquer mes conseils. Si tu n'agis pas, tu te manques de respect à toi-même aussi parce que ça t'empêche d'avancer. Numéro 5, pour moi, ça va un peu avec la liberté, c'est l'argent. Aujourd'hui, pour être libre, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, pour moi, tu peux être libre, mais
C'est compliqué. Alors pour moi, l'argent, c'est synonyme de liberté et de partage aussi. C'est comme ça que je peux être heureux, c'est grâce à ces cinq valeurs. Donc pour résumer, la santé, l'amour, la liberté, le respect et l'argent. Parce que il faut pas croire, si dans ton top 5 de tes valeurs, t'as pas la liberté ou l'argent, qui se rejoignent un petit peu finalement. Si t'as pas un des deux, ben, tu vas pas pouvoir avancer vers cet objectif d'avoir plus de liberté et d'avoir plus d'argent. Donc, ce ne sera pas possible pour toi d'être dans l'abondance en fait. Donc voilà, je te remercie d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à bientôt pour avoir mes prochains conseils. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.